Et c'est tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la deuxième manche du championnat 97 de Formule 1, plutôt ce F1 World Grand Prix. On a fini pour ma course plutôt pas mal, hein, même si effectivement la stratégie n'est pas super bien marché. Mais on avait un rythme qui aurait peut-être permis de nous permettre de marquer des points. Alors ce qu'on va faire, c'est commencer les qualifications tout de suite. On va voir au niveau des réglages ce qu'on pourrait faire. Alors vu que c'est un circuit qui est quand même rapide au niveau de la ligne droite, je sais qu'il y a des gros virages, mais j'ai envie de mettre un petit peu entre les deux, je sais pas trop comment ça va se passer. Par contre c'est encore cloudy, donc je sais pas s'il va faire, il va pleuvoir ou pas. Donc on va regarder le setting S. Au niveau du fuel, 3 tours d'essence, on va mettre 4. On va regarder les soft slick évidemment. Les ailerons, je pense que c'est bon. Par contre on va mettre medium pour la boîte de vitesse, que je pense qu'on n'arrivera pas jusqu'au bout. On va laisser le steering. Alors regardez, on peut tourner encore un peu plus. Je vais mettre 18 degrés cette fois-ci. Et on verra un peu ce que ça donne pendant cette séance de qualification. Voilà, ça commence bien. Allez, on va ressortir. Donc c'est parti. C'est parti pour ce circuit de Interlagos. Alors vous avez vu, il y a une petite présentation à chaque fois au niveau du tracé. C'est plutôt plus bien fait en fait. Par contre, je glisse pas mal. Tu sais, j'ai pas encore fait tes tacques. Je pense qu'on peut en faire. Alors par contre, là, ouais, il va falloir vraiment s'entraîner à mieux tourner ici. Heureusement que j'ai changé un petit peu l'angle de braquage. Ouais, elle a du mal à tourner quand même. On va pas se cacher. Un peu compliqué. Oh, et en plus même là je me foire. Alors on va essayer de faire un tour plus cohérent ici. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir utiliser cette vue? Sinon il n'y avait pas trop les. Comment dire les... Ça vibrait pas trop. Et au niveau du sol. Je pense que j'aurais toujours utilisé, mais heureusement elle est pas très exploitable. Allez, c'est parti pour le premier tour. Je tape le mur. Le dénivelé est assez catastrophique hein, sur cette version. Enfin, je trouve qu'il est pas très juste. C'est marrant, c'est que j'ai fait un meilleur premier secteur en sortant de stand qu'en étant lancé. Ce qui coûte peut-être que je mette plus d'ailerons, je sais pas trop. Carrément. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. 5 secondes de retard, il me lag. On va voir les kilomètres-heure et on va voir si ça vaut le coup justement de mettre plus d'ailerons ou pas. Je suis 22e. En plus il pleut. Alors quelque chose que ça me fait penser un petit peu à F1 Grand Prix sur Dreamcast. Et je suis en train de me demander si on va pas avoir le même problème avec la version Cloudy. C'est-à-dire qu'en gros on va quand même se taper toujours le même schéma avec la pluie. Ça m'étonnerait à peine en fait que ça se passe comme ça malheureusement. Mais là du coup je sais même pas comment je vais faire pour pouvoir... pouvoir faire un meilleur temps hein, parce que là c'est cool. Ouais je sais qu'on est obligé de switch mais je passe. J'ai eu qu'un tour, en plus je l'ai loupé. Et les gommes sont en rouge. Ouf. Ah j'avais pas fait gaffe au détail, on peut avoir le. Comment ça s'appelle ? Avoir des éléments du décor qui se détruisent, mais j'ai l'impression que c'est juste un effet ça, qu'il y a un petit coup qui est parti. Ouais, par contre, je sais pas à quel moment je vais réussir à faire un temps correct avec ça. Mais le problème, c'est qu'il pleut. Et du coup. Ok, entre les stands était là.
Je suis complètement loupé. Bon, c'est pas grave, on va faire paddock directement. Bon, ce qu'on va faire, alors vous avez vu, j'ai pas beaucoup de tests de pointe. Et pourtant, je tourne mal aussi. Donc, est-ce que si vous ne pouvez pas un setting A, setting B, je prends peut-être un setting E. Bon, je sais, ça sera un peu compliqué, mais. Last best. Ah oui, effectivement, dans le dernier. Dans la dernière partie du circuit. Ah oui, j'ai pas de vitesse de pointe, on le voit. À la télémétrie, je me fais à chaque fois démonter en vitesse. Donc, on va baisser un peu les ailerons, donc ça, c'est bon. Par contre, je vais pas mettre le gear au maximum. Hein, je vais le laisser. Je sais pas trop si je le laisse en médium ou pas. Semi-high, ça me paraît un peu beaucoup. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que. J'ai une meilleure accélération avec un gear en high. Je comprends absolument pas ce réglage. Normalement, quand on change la boîte de vitesse, c'est soit court, soit long. Mais quand c'est court, bon, on a une meilleure accélération et moins bonne vitesse de pointe. Par contre, là. J'ai l'impression qu'en fait, plus on a une vitesse de pointe qui est haute, mieux on a une accélération. Ça n'a aucun sens en fait. C'est pas normal. Bon, c'est pas grave, on va regarder les slicks, pas le slock. Fuel 4 tours. Bon, on va laisser le laps pour 4 tours. Par contre, je pense pas que ça va changer grand-chose. Au niveau des résultats, ils ont fait une 10. J'ai fait combien moi? Une 17. Je suis complètement à l'agonie. Et je pense que si je change les gommes, c'est pareil. Voilà, non, il pleut, ça sert à rien. On va tenter. C'est que des softs hein, en tout cas. Hein. Dump break. On va tenter les intermédiaires, tiens. Voir ce que ça donne. Bon, par contre, on a vu que ça servait à rien de s'arrêter tout début de la course parce que finalement les gommes tiennent pas. Donc le bon shift apparemment c'est de s'arrêter au bout du troisième tour, pas au deuxième non plus. Ou même pas, même je pense qu'il va falloir faire. Non, on va voir comment s'arrêter au milieu. On va voir ce que ça donne ici. Ah, ça glisse énormément, là. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. J'ai vraiment du mal avec ce maniement, je vous le dis, j'ai du mal un peu à comprendre comment on peut bien prendre les virages. Parce que j'ai l'impression de faire de la glissade à chaque virage. Surtout j'ai une mauvaise accélération. C'est pire en pire. Bon, on va faire une session, tant pis, on va partir dernier. Donc c'est Vina qui va partir en tête devant, allez-y, Démonique 3ème, Solar Rose, incroyable. Physique à la 4. Panzen 5, Rachomar et Mika Chomar 6ème. Ok, donc c'est plutôt surprenant, surtout pour Demoni. Berger, Maikelo, Panis, Herbert, Coulthard, Trulli, Irvine, Diniz, Nekeno, Katayama, Verstappen, Magnussen, Salo, et nous on est en 17. On est à l'agonie. Alors, vu qu'à mon avis, on va avoir les mêmes même temps. Pas grand prix. Et c'est Claudie hein, encore donc. Je sens que ça va finir sur la pluie. En tout cas, c'est bien parti pour. On va garder ce setting, je pense. En fait, j'en sais rien. On va garder. Je sais pas. Voilà. Sauf qu'on va partir pas en soft, on va partir en intermédiaire. Je sais pas si c'est le mieux. Ce n'est pas du release intermédiaire, mais au moins, on sera pas trop lent. On va mettre 4 tours d'essence. Voir, je mets que. Ah, ils disent qu'on va faire que 3 tours. 3 tours, 8 tours, 4 tours. Bah, du coup, on va mettre. 4 tours de son. Rain, ok. Front wing, angle. Il devrait bien mettre un peu plus. Allez, légèrement plus, quoi. Voilà, c'est pas mal. Bon, la boîte de vitesse, je ne comprends pas comment ça marche. On va la mettre en semi-haute. Comme ça, je pense qu'on est un petit peu entre les deux. Et steering, je vais mettre 22. Allez, on est fous. Non, 20. 20, c'est bon. Faut que 22. Hein. Allez, c'est parti. Peut-être le pire réglage de notre histoire, mais bon, il va falloir s'en servir un moment. Ah oh, ouais, la rose 3ème. Pourquoi pas. En tout cas, le temps n'a pas l'air d'être très bon.
et je suis très mal parti. C'est pas bon, lane intermédiaire. J'espère qu'il va pleuvoir assez vite pour pouvoir profiter un petit peu de ses gommes. Il y a du monde un peu partout là. Ouh là là, attention, attention, attention. Mais c'est que ça lag à mort en plus, what the... What the fuck? Comme ça a lagué d'un coup là. Bon, le problème c'est que je suis en intermédiaire, donc évidemment, un premier tour ça va être compliqué. Ah, et déjà un abandon. Je sais pas qui c'était. J'ai changé de vue, je voulais pas faire ça. On va se passer à l'intérieur, ouais, ça c'est bien. Oh là là. Par contre, ça lag, je trouve. Ah, il y a attention, on a tapé la Stewart. Je suis sorti de la piste. Ouais. L'agonie. Et là, il va pas pleuvoir, vous allez voir. Il part en intermédiaire. Oh, j'ai pas compliqué. Bon, c'est pas grave, on est 18ème. C'est le premier tour, c'est pas grave. Et ouais, déjà, le temps qui commence un petit peu à se couvrir. Ouais, j'ai peur que ça fasse comme la Sandrinka, ça. Il y a toujours le même problème de temps, en fait. On saute toujours dans les configurations. Si c'est la même chose, j'ai envie de dire, c'est incroyable qu'ils aient fait la même bêtise entre les deux, quoi. Ah, il y a eu un abandon, on est 17ème. Bon, ça va aller vite, plutôt. Hein. Ah, bien sûr, il va aller plus vite pour le moment, parce qu'on n'est pas avec les bonnes gommes. Ah, si la pluie arrive, ouf, on commence à désespérer. Allez, c'est notre moment, la pluie est en train de tomber. Ok, donc ceux qui sont derrière moi sont dans les pits, alors pendant que ceux de devant, eux, vont se retrouver à faire un tour de plus dans la pluie. Oh, la Sauber qui s'est plantée. Ah, par contre, ouais, il y a la frame rate, là, je ne comprends pas ce qui se passe. Ah, il a... Ouais. La Rini, apparemment, il s'est planté complètement. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter, évidemment, le un seul arrêt. En plus, s'ils s'arrêtent trop tôt, ils vont s'arrêter deux fois, je pense, au niveau des gommes. Par contre, j'ai aucune accélération, vraiment. Ah, ça devient compliqué, on est en train de dire. Je pense que le plus dur, c'est de ne pas perdre la vitesse. Devant, ça continue. On va arrêter, on va s'arrêter de ce tour-ci, on est en quatrième tour.
Là, on va foutre les pneus de rain, on va mettre vraiment des pneus. Allez, on va rentrer au stand, on va essayer de pas se les louper surtout. Allez, il reste 4 tours, je sais même pas combien on est 14e. Bon, j'ai pas beaucoup de limite. C'est que là on a les full rain, donc normalement on est bon si la pluie reste forte comme ça. Pour gagner du temps. Ah, d'ailleurs, je sais pas qui c'est. On est en train de revenir très vite. C'est une merde, je crois. Allez, on est 10e. On passe 11e, je comprends pas trop des fois les positions en jeu. Ferrari. Une Ferrari devant. Ok, du monde. C'est touché. Ok, le passage à l'intérieur pour Vasile. Allez, reste, il va rester 2 tours à faire. On est 6e. Bon, ça mûre quand même sur la trajectoire, ça c'est bon. Voilà, si tout se passe bien, on devrait pouvoir tenir niveau 2. On va avoir les plus usés dans le dernier tour, mais je vais devoir aller. Tour, on pourrait dans les points, ça peut tenir. Bon, dans les mêmes tours, on va vraiment avoir des gommes difficiles.
Est-ce que Fisica s'est arrêté avant ou après moi? Ça, je sais pas du tout. J'ai l'impression d'être un poil plus rapide que lui. Enfin, c'est pas moyen. Voilà, est-ce qu'on y va à l'intérieur? Hors des bougies. On a une meilleure gomme, du coup, on est devant. Ah, c'est bon, on va les avoir, la gomme. Ça, c'est bon, ça. Yes. Ah, les pneus sont morts. Mais c'est pas grave. On va finir la ligne d'arrivée. Attention, il y a Jordan juste derrière. Et aussi les pneus morts, je pense. Et yes, on va remporter nos premiers points. Et il me reste même le... C'est quoi ce bras? Est-ce vraiment un bras? Bon, la petite quatrième place. Alors maintenant, je m'attendais pas du tout à finir quatrième parce que j'avais aucun rythme, franchement, enfin je trouve. Alors, il va falloir que dans les commentaires, je m'explique comment on joue à ce jeu, sincèrement, parce que au niveau des trajectoires, alors j'ai essayé de, en milieu de course en fait, de me dire plutôt que de faire rentrer très vite, freiner d'un coup, partir en glisse et reprendre peu de vitesse, de tapoter légèrement pour garder la vitesse la plus, on va dire, la plus moyenne possible au virage pour mieux sortir. Mais je pense qu'il y a une technique, hein. Enfin, je pense qu'il y a une solution. En tout cas, c'est pas mal, mine de rien, on finit 4ème. Alors c'est bon, c'est Winham hein, qui remporte la course. Devant Frenlen, Berger, alors doublé William du coup, Berger pour Benetton 3ème. On marque nos premiers points, 3 petits points pour Hakkinen. 2 petits points pour Jordan et un petit point pour Alesi sur l'autre Benetton. Je me rappelle alors des points et mon coéquipier aussi. Du coup, au niveau de la saison justement, c'est Frenzel qui est en tête du championnat devant Villeneuve, Schumacher, Berger, Coulthard, nous-mêmes. Lambert, Fisichella, Alesi, Barrichello. Et au niveau constructeurs, on est deuxième. C'est pas mal. Bon, Williams a écrasé le début de saison. Hein. Mais c'est quand même pas mal. Il faudrait voir comment je pourrais résoudre aussi les problèmes de lag, parce que je ne comprends pas pourquoi des fois le jeu est aussi au ralenti, c'est très bizarre. Donc Ferrari 4ème, Sauber 5ème, Jordan 6ème, c'est voir. 7ème, je sais pas si Aros, Prost et Tyrell, voire Minardi marqueront des points, je pense que Prost devrait en marquer. Aros sera pas spéculé avec Démoni. Par contre Tyrell et Minardi, je sais pas, à voir. Comme je vous dis, j'ai vraiment peur que toute la saison se passe de la même manière, c'est-à-dire que tous les circuits se passent avec cette configuration de bah il fait pas beau, après il pleut, après il pleut. Et c'est ce qui s'était passé un petit peu avec le FR World Grand Prix Dreamcast. Donc écoutez, on verra. En tout cas, on se retrouve bientôt pour la troisième course du championnat. Je crois que c'est l'Argentine. Et à la prochaine. Ciao tout le monde. Thank you.